Merci. Madame Griesbeck. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, quelques mots dans le cadre de ce débat qui est très intéressant et qui nous donne une idée du moment qui est le nôtre et qu'on vit. Vous savez bien qu'en Europe, on est dans une situation qui est passionnante mais compliquée. Et entendre les collègues des ACP expliquer pourquoi ou pourquoi pas les accords, c'est aussi très très intéressant. Donc moi j'ai juste deux observations, qui sont deux observations politiques. La première, je rejoins tout à fait ce qu'ont dit les collègues, et en particulier Michel Camano, sur la nécessité d'avoir une évaluation, d'avoir une sorte de bilan de ce qui a permis d'avancer dans une intégration régionale et ce qui a pu au contraire peut-être briser la cohérence, créer des fragmentations au lieu d'améliorer à la fois les circuits économiques mais surtout comme tout le monde le pense ici évidemment dans un milieu qui est fait de gens engagés politiquement, améliorer la situation des citoyens africains. Et donc je pense qu'on est vraiment à un moment idoine, absolument nécessaire, d'autant plus qu'on est dans les négociations post-Cotonou et que vraiment ces choses-là vont ensemble. La deuxième observation politique, et j'attends avec grand intérêt et attention la position qui sera exprimée par les représentants de la Commission, c'est qu'on a aussi changé d'époque. Quand les collègues parlent de la colonisation et de cette blessure de la colonisation, ici dans cette salle, vraiment beaucoup de gens sont nés après cette période, à commencer par la vice-présidente, et même moi un peu, je pense. Donc c'est dire combien aujourd'hui on a changé de paradigme et on est très très nombreux et donc je rejoins les propos de notre collègue Madame Arena, mais évidemment qu'on est nombreux dans toutes les sensibilités politiques à vouloir trouver de la cohérence. Peut-être était-ce le sens de cette annonce qu'a faite Monsieur Juncker d'un grand accord, c'est-à-dire de peut-être, vous allez nous le dire, de remettre sur la table tout, de bien recaler nos volontés politiques et qui sont vraiment aujourd'hui très loin d'un rapport entre puissances, mais vraiment d'une recherche d'un vrai partenariat. Qu'est-ce qui est bon pour les peuples des deux continents qui sont appelés à vivre ensemble et à vivre de manière positive. Alors, c'est pas du blabla, ça. Je crois que c'est très, très important d'avoir compris qu'on a changé de vision et qu'on a envie que de travailler ensemble, sans domination, mais dans une intelligence qui nous rend très heureux de cette proximité géographique. On dit souvent que la géographie est un destin. Eh bien, nos deux continents sont voisins. Aujourd'hui, tout se décline à l'échelle des grands continents. Utilisons-le, utilisons nos engagements pour donner de la cohérence et passer par une évaluation, bien entendu, parce que ça permettra de rebondir et de s'inscrire bien dans la suite. La suite qui est aujourd'hui. Le futur, c'est le présent, en fait.